Hey yo les gens, c'est Drake Survie. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau jeu qui est gratuit sur Game Pass. Aujourd'hui n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à mettre la cloche. Aujourd'hui petit jeu sur Octopaka Travel. Alors c'est un jeu de rôle. Alors attendez, je vais baisser un peu pour vous et pour moi. Alors normalement ça devrait pas bugger parce que j'ai réglé mon périphérique parce que ça fait déjà deux fois que je fais la vidéo. Et en fait le périphérique de mon logiciel s'était changé. Donc OBS avait changé complètement les périphériques et je comprenais pas pourquoi. Alors c'est un jeu de rôle, je vais vous expliquer un peu tout ça. C'est un jeu de rôle qui se joue avec plusieurs personnages, donc vous avez le choix à jouer à plusieurs personnages. Alors vu que j'ai joué, vu que j'ai fait deux fois la vidéo, là c'est la troisième pour vous dire, c'est la troisième fois. Mais le souci c'est que ben j'ai été obligé de continuer un peu ma game. Donc je vais pas relancer ou quoi que ce soit, donc je vais vous expliquer comment ça se déroule. Donc vous avez le choix entre plusieurs personnages qui ont plusieurs factions. Donc moi pour le moment je joue une faction de chevalier, donc qu'on voit en ce moment sur l'image si ça bug pas. Mais sinon vous avez plusieurs factions, donc pour le moment je sais pas trop comment ça se joue les autres, mais on verra ça plus tard. Alors dites moi en commentaire si vous voulez que je fasse des vidéos dessus ou quoi que ce soit. Le jeu est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai récupéré l'image normalement de la date, donc qui s'afficherait normalement maintenant. Donc Wally Walou, donc on va continuer. Donc j'ai juste joué un peu. Donc comme vous le voyez, première sauvegarde, hein, il n'y a pas eu de sauvegarde auto, j'ai fait la sauvegarde principale, donc j'ai joué que 19 minutes. Mais c'est beaucoup de texte au début, donc j'espère qu'il n'y aura pas trop de texte. Donc, de texte. Alors donc, Wally Walou. Alors hop, on continue. Donc c'est un jeu un peu, à l'ancienne, donc ça fait plaisir. Moi je suis bien content. Alors, ce que vous voyez, alors je vais vous expliquer un peu le système du jeu. Alors, ce que vous voyez, en fait, là, donc, bon, le jeu est très bien fait, mais, donc, vous avez la minimap en bas à droite. Vous avez aussi, donc, vous pouvez avoir la map, donc, qui est assez grande. Donc, je pense, chaque personnage a son niveau. Chaque personnage a son monde, donc par exemple moi j'ai un monde assez grand en fait, clairement j'ai un monde assez grand. Alors après je sais pas si on peut changer de personnage entre temps, mais c'est vrai que ça pourrait être sympa. Donc après à voir. Vous avez le journal, donc par exemple vous voyez les personnages qu'on a en bas à droite, en bas à droite qui indique. Donc si vous voulez changer de personnage ou quoi que ce soit, donc les entraînements, vous avez la catégorie, tout ça. Donc pour le moment, voilà, vous avez l'inventaire, donc l'inventaire du personnage. Vous pouvez acheter, vous pouvez avoir des soins. Alors bon, les soins pour le moment, c'est pas trop, voilà. Donc on va se lancer sur ça. Donc j'ai fait surtout, au début, j'ai fait surtout les entraînements, les trucs comme ça, voilà, avec beaucoup de dialogue. Et alors j'ai changé la vitesse du texte parce que sinon c'était trop long. Parce qu'en normal, ça met 15 jours à s'afficher et on n'en aurait pas sorti. La première vidéo, pour vous dire, j'ai mis une heure à faire une vidéo complète. Et encore, j'étais obligé de supprimer des choses. Et pour vous dire, j'étais obligé tout bonnement d'annuler. Parce que bah, tout compte fait, c'était trop long. C'était vraiment trop long, même en supprimant des choses. Ça faisait trop longuet, donc voilà. Alors bon... Alors les textes sont en français, vous avez deux langues autres, donc si vous voulez avoir le dialogue en normal, hein, en normal ça vous le met soit en anglais, soit en japonais, que je n'ai pas changé, j'aurais dû, parce que c'est clairement une des langues que j'aurais bien voulu faire avec ce jeu-là, mais vu que j'ai mis le texte en accéléré, on n'entend rien. Donc voilà, vous avez juste les textes en français et c'est tout à fait correct. Donc les combats sont assez simples. Alors pour le moment j'ai fait que du 1v1. Je suis au début, donc armure pas très costaud. Mais voilà. Ok, faiblesse 1, faiblesse 2.
Donc vous avez des attaques spéciaux. Ah oui, d'accord. Ils sont étourdis, ok. Ah oui, du genre casse-couille, ils sont... ok, d'accord. Il y a juste le bouclier qui revient, ok. On va le faire comme tout à l'heure, on va les confus. Voilà. Alors bien sûr, vous avez de la mana et les points de vie en haut à droite, comme vous le voyez. Putain, mais ils ont combien de points de vie? Ok. Lui, il est mort. Lui, il est confus. Lui, il est mort. J'ai 38. Quoi? PT, PV, ok. Ah, d'accord. Parce que là, ça m'a fait un peu peur, là. Perdre autant de points de vie. Voilà. Donc, je trouve que les combats sont plutôt pas mal. Alors, je sais pas si on peut jouer à plusieurs. J'ai pas regardé à combien on pouvait jouer. Mais, franchement, pour un jeu de ce calibre-là, qui est pourtant pas... non plus trop compliqué. Je pense que ça peut devenir compliqué à la, au fil du temps, parce que clairement c'est un peu à la Dragon Quest ou à la Zelda où à un moment donné il faut quand même avoir un bon niveau. Et donc voilà. Alors je sais pas si les combats sont tout le temps ou quoi que ce soit, mais ça peut être pas mal. Okay, donc ils ont, alors ils ont capturé l'enfant de la dame où je devais lui enseigner la grande majorité des combats. Alors après je sais pas si c'est vrai ou quoi, mais ok. Bon, déjà ça a pas l'air de bugger au niveau OBS, je suis en train de remarquer en même temps. Alors vous avez quand même quelques lags, mais c'est vrai que OBS, quand tu changes les périphériques et puis qu'il change tout seul, et ça je pense que je sais pourquoi, c'est parce que vu que je live sur Twitch et puis j'ai pas les mêmes périphériques, il doit se recalibrer quand je me change de machin, et ça c'est chiant. Ok, bon. Alors là, vous pouvez à l'abri des dangers lorsque... ok. Donc ouais, il y a des sauvegardes un peu à droite à gauche. Je regarde un peu à droite à gauche si on peut trouver autre chose. Ok, on peut pas aller par là apparemment. Pensez à d'avoir passé ici avant un moment. Ok. Ok, alors là par exemple, nous avons le marchand. Donc... j'ai combien sur moi? Ok, j'ai pas grand chose. J'ai pas grand chose. Si j'achète cette épée... ouais, je vais acheter cette épée. Une épée de fer dans son équipement. Ouais. Voilà. Et je vais peut-être me prendre un... prendre un casque. Voilà, comme ça je suis un peu plus... alors attendez, on va... inventaire... non, équipement. Équipement, épée de fer, ok. Donc là, épée de fer, épée longue.
Ok, vitesse plus 2, vitesse plus 18. Ah ouais, il y a clairement une différence. Alors pour le moment, je pense pas que je vais les vendre pour le moment. Mais ça sera bon pour la prochaine fois. C'est bon de savoir. Alors là, qu'est-ce qu'il faut faire? Dormir. La chambre, elle coûtera 0, dormir ici. Ok. Alors j'imagine qu'au fil du temps, voilà, ça, voilà, on achète. Donc la vie et les la mana, je l'appelais la mana parce que le PT. Le PT Voilà. Hein? Donc, c'est pas très stylé, Monsieur Berg. Ok. Donc, par là. Allez, zou, c'est parti. Hauteur de colo de la montagne. Ok, il y a des sauvegardes un peu tout partout, c'est classe. Alors je vais être beaucoup sauvegarde, hein, mais je préfère parce que ça a l'air d'être un jeu quand même assez. Un coffre. Raisin, ok. Ok, il y a des coffres. Alors attendez, je regarde un peu à droite à gauche, hein. Oh putain! Oh non, c'est des combats comme ça! C'est des combats où on voit pas l'adversaire. Alors vous pouvez changer hein, avec les flèches, comme vous le voyez, vous avez la lance et l'épée. Donc ça dépend. Ouais, 270. Ok. On fait quand même moins de dégâts. Allez, on fait quand même moins de dégâts. Ouais, punaise, mais il est costaud le garçon! Allez, coucher le rat. Ok, alors qu'est-ce qu'on gagne? Bonus niveau 3. Objet obtenu. Alors je sais pas. Je l'ai pas vu moi le rat. Est-ce qu'il y avait un rat devant moi? Je pense pas, hein. Je pense que c'est un peu à la Pokémon où les monstres apparaissent comme ça un peu aléatoirement. Ouais, c'est ça, ouais, c'est bien ce que je pensais. Les monstres apparaissent un peu aléatoirement. Ça, c'est un peu dommage de pas les voir. Parce que dans ces coups-là, ils auraient pu faire un truc. En tout cas, les combats ont l'air sympas. Hop, 1 x 2. Donc là, j'ai utilisé ma capacité, donc renforcement. Donc j'attaque 2 fois. C'est plus rapide et puis au moins c'est plus efficace. Par contre, les graphismes sont super. Sont super. Alors je vois que ça lag un peu. Ça lagouille un peu quand même. Dès que ça bouge pas trop, ça va, mais dès que ça bouge, le jeu. J'ai quand même beaucoup plus de dégâts, mais j'ai l'impression que faut que j'essaye l'exaltation. En mode. Ok. Ok. Alors je sais pas trop si on peut faire plusieurs fois. Moi j'ai appuyé qu'une fois, niveau 4. Petit coffre. Vieille pièce. Ok.
Ouais, non mais attendez, ils sont combien là? Ah ouais, c'est quand même... Ah ouais. C'est quand même du 3. Je vois que le son marche bien, mais ça bug un peu, j'ai l'impression quand même. Allez hop. Ok, donc on peut le faire 3 fois. Combat maximum 3 fois, ok. Ça les a dégagés tout de suite, ça a fait bizarre. Bon bah les amis, je pense qu'on va s'arrêter là. J'espère que ce petit jeu vous plairait. Donc dites-moi en commentaire si vous voulez que j'en refasse ou quoi que ce soit. Je sais pas si ça aura bugué ou quoi, j'espère pas, parce que là clairement j'en m'en voudrais clairement. Passez une bonne soirée, merci encore, et on se dit à la prochaine les gens, c'est Drake Survie. Peace. Demain, trailer sur un jeu, donc on verra, soit un jeu, soit une vidéo, soit un film, un nouveau film qui sortira prochainement ou quoi, je sais pas trop pour le moment, donc on verra. Passez une bonne soirée, et merci encore. Peace les gens, c'est Drake Survie.